Regardez-le. Il a froid. Il tremble. Bon, eh bien, je ne me souviens pas m'être arrêté ici. Je pensais que j'étais beaucoup plus loin. On voyait le village au loin. On va continuer notre périple sur Chomolonzo à la recherche de notre frère. Et je suis bien préparé. Bon. Pas de neige au sol, c'est magique. Ouah! Continue. Encore. Oui, mais calmez-vous, calmez-vous. Ne gueulez pas dans mes oreilles, je débute. Je débute ce stream. Qu'est-ce qu'elle veut? Suivez le fantôme. Sauvegarde en cours. Bien. Là, je suis. Elle est où? Elle est passée où, là, madame? Ça doit être un lieu saint. Je me demande quelle relique abrite ce Shorten. Bon, faut pas oublier que je peux aller là-bas en bas. Mais attendez, on va pas suivre le fantôme tout de suite. On va aller se balader un peu dans la montagne. D'anciennes pierres manies. Des pierres manies couvertes du mantra Om Mani Padme Hum. On visite un peu, hein. Ah merde, mais voilà. Mais comment je suis revenu sur mes pas? Ah, mais c'est à cause de la cinématique, ça m'a perturbé. Je suis revenu en arrière. Donc soit je pars là et c'est fermé, ou soit je suis le fantôme. Bon, ok, ok. On suit le fantôme. Qui est parti. Il y a un truc là-bas. Ah bah voilà, je dois la suivre. Bon allez, je la suis. J'ai peur de rater des trucs. J'ai sûrement raté des tonnes de choses. Hein. J'ai rematé les VOD d'hier et j'ai vu des pots que je n'ai pas pété. Donc j'ai peut-être raté des notes. Qu'est-ce qu'elle me veut? Les journaux. Les écrits. Il a l'air quoi avec son bâton magique? Ah oui, bâton magique! On peut faire ça maintenant. Ah, mais. Là. Attention, la vision. Non. Je vais me soigner. J'ai plus mon bâton en main.
premier combat dans la montagne. On va essayer notre bâton magique. Oula, ils font quoi là? Oui, mais... Oh! Il se passe quoi? Bah attends, il se passe quoi là? C'est une cinématique, c'est un bug? Je peux rien faire. Hein. Allô? On a perdu le jeu là. C'est normal ce qui se passe là? Quoi? Quoi? C'est quoi ça? J'ai rien compris. Il y avait un QTE, il y avait quoi? J'ai rien vu. Suivre un fantôme. Je ne suis pas fou. Ah mais si, mais t'es complètement fou. J'ai pas compris. Je vais en claquer deux, hein. Je vais en claquer deux. On va claquer deux bâtonnets. Attention à la vision. 3, 2, 1, zou. Bon, voilà. Je peux pas. Et froid. Froid. Ah non, mais si on est bloqué ici. J'espère que non, hein. Parce qu'il n'y a pas de patch correctif, rien, hein. Ce jeu n'existe pas, n'oubliez pas. Allez, j'en claque deux. Vers quoi je me dirige? Bon, là, je vais marcher tout doucement sur le chemin. On sort pas du chemin. Voilà, tranquille. Voilà, merci. Non. Attends, quoi? Quoi? Mais c'est de la merde. Je peux... Attends, c'est quoi ces conneries, là? Non, on s'en fout de ça. Ça aussi. Ça aussi, on s'en fout. Oh. Oh non. Oh non, hein. Bon bah je crois que notre aventure s'arrête ici. Oh va te faire foutre le jeu. Oh là 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 là. Attends, on va aller voir ça parce que je sens que ça va me saouler. On ne verra pas la fin du jeu. Attendez deux secondes, je vais aller voir une vidéo. Peut-être que j'ai raté un truc. Mais non, mais là c'est un bug, hein, c'est clair. Allez, va trouver des vidéos de la version PC. Ouais. Voilà, version Wii... Ah! Ah, attendez. J'ai trouvé... Voilà, j'ai trouvé un joueur. Ah, putain, il est pas arrivé jusque là, évidemment. C'est quoi le... C'est Montagne Perdue, hein. Bon allez, allez, jeuxvideo.com, hein, la référence. Bon apparemment il est en vente à Auchan.
Voilà, j'ai trouvé l'info au moins. La montagne perdue. Bonjour, quelqu'un peut me dire comment sortir de la montagne? Putain. Faut recommencer sur Rui. Salut Doc Gamma, merci pour le host. Ah, je crois qu'on est dans la merde. Je vais bien trouver quelqu'un qui a joué à ça sur PC. Ah, Cursed Mountain complet en espagnol. Ah ben oui. Au moins là, je comprendrai quelque chose. Alors, est-ce qu'il l'a fini déjà? Non. Ah ouais, mais vous faites tous. Ouais, voilà. Ok, j'ai compris. Les gros youtubeurs qui font premier épisode, mais qui finissent, ils font pas de deuxième épisode. Parce que bon, à quoi bon? Attends, mais c'est Castlevania, ça n'a rien à voir, ça. Bon, je crois que j'ai trouvé un truc. Oh non. Oh, je me suis tellement spoilé, quoi. Oh, merde. Oh, ça a l'air tellement bien en plus après. Cursed Mountain. Chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6. Chapitre 7. Voilà. J'ai trouvé. C'est bien la version PC. Tais-toi. Previous playthrough, I didn't even actually use it, the cat weapon at all. It's all about the lag parquet, killing ghosts in one hit. Donc là, il y a la cinématique. What the hell? As if that missed. Oh, for fuck's sake! Ok, bon. Ok, bon. Je vais retenter une dernière. Il avait le lac. Non, il avait autre chose équipe. Le Killa. Je vais prendre le Killa. Je vais faire tout comme le mec. Il n'y a pas de sauvegarde rapide. Là, la caméra, elle bouge toute seule déjà. Et là, t'as les deux. Dans sa vidéo, t'as les deux fantômes qui se mettent en face de lui. Et là, le problème, c'est qu'il y en a un en face. Et ça marche. Bien!
Il fallait que je regarde la vidéo en fait. C'était ça. Fallait donner une vue à ce youtubeur et ça débloque la suite du jeu. Bordel de merde, si j'avais su. Bon allez go. Go, on peut reprendre le combat. Et je vais mourir parce que j'ai pas de vie. J'ai pas d'énergie. Ils ont l'air super chauds en plus ces deux cons là. Ah faut vraiment pas que je. Faut pas que je rate. Oh vas-y. Le chapeau. Oh tout juste, tout juste. Non, 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 non. Bien, au moins ça se débloque. Une fois sur deux. J'ai peut-être eu de la chance. Salut Eolite. Oui, ça vaut. Enfin, pour moi, ça vaut largement le coup. Hein. Il y a des gens qui sont passés sur mon live hier. Ils ont dit ouais, j'ai vu un petit peu le jeu. Ça a pas l'air très intéressant. Je ne suis pas fou. Les combats sont chiants. Bon, c'est vrai que les combats sont un peu spéciaux, mais moi j'aime bien. J'aime bien. Et j'aime beaucoup. Bon, là, je recharge ma vie. Hein. Tant pis pour le bug. Par contre, il y a des bugs. Enfin, il y a un bug. C'est le premier bug depuis le début du jeu. Bon, on verra peut-être pas les environnements super beaux du début, vu que là, on est en pleine montagne. Mais je trouve le jeu super beau. Une très bonne ambiance. Allez hop, on claque un bâton. Vers quoi je me dirige? C'est marrant parce que le mec dans la vidéo, je le voyais avancer comme ça. Comme s'il savait qu'il y avait une sorte de bug. Il était toujours là en train de coller la gauche. Voilà, là ça marche bien maintenant. Faut juste faire gaffe à l'autre con. Ah mais non, non, je voulais le bâton normal. J'ai pas changé de bâton. Vite, le key là. Non, pas ça. Ah, ça par contre c'est chiant. Quand tu changes d'arme, je sais pas ce qu'il fait là. Voilà, moi je peux faire ça. Ah oh, le... Ah bon, faut s'occuper des deux. Aïe, aïe, voilà, trop gourmand. Nvidia. Le petit poisson. Bien, par contre, je vais revenir en arrière pour aller me soigner un peu. Et monte. Bien, ça c'est parfait. Alors attendez, maintenant je vais remettre tout comme avant. Plus de bugs. S'il vous plaît. Plus de bugs. Ah, de la lecture. Des clients mécontents. Un client est contrarié par Bennett. Je peux prendre ton sac. Vas-y, je peux prendre ton sac.
Alors, voyons voir de quoi est mort ce pauvre bougre. Tiens, il y a un livre que j'ai pas lu là. Les moines ne sont pas tranquilles, je peux le voir. Ils n'aiment pas que des Occidentaux grimpent leurs précieuses montagnes, ça se voit la manière dont ils me regardent. Tant pis pour eux, cette satanée montagne n'est pas à eux. Et pourquoi j'ai eu deux notes là? Ok. J'ai dû partir du refuge, tout le monde devient fou là-bas. Certains prétendent voir des fantômes, d'autres disparaissent la nuit et ne reviennent jamais. Seuls deux grimpeurs ont reçu la permission de continuer leur ascension. On nous ignore, même si nous sommes des clients payants. Des rumeurs circulent partout, personne n'a vu Bennett depuis une semaine. Assez, c'est assez. Je descends à Lando chercher Bennett et m'expliquer avec lui. Ce cirque a assez duré. Eh mais... Attends, c'est Frank du coup le mec? Mais non! Voilà, le jeu s'arrête là, j'ai retrouvé mon frère! Non, attendez, il est où le fantôme? Bon alors madame, on va où? C'est un piège. Un gros gros. Seul, il est perdu en pleine montagne. Tiens, un petit chapeau. Le bardeau s'ouvre. Un Sherpa s'inquiète des esprits malfaisants. Le chemin sur la Jangrang, la Jangrangla devient de plus en plus difficile chaque jour. Les esprits maléfiques hantent le passage, les shorten et les pierres mani ne nous protègent plus. D'où viennent ces fantômes? On dirait que le bardeau s'est ouvert et envoie des fantômes et démons. Mais ça j'avais compris, merci. Non mais 8 sur 14. Je suis sûr que j'ai raté des trucs. On refera le jeu en New Game Plus. Il est passé où? Madame! On dirait bien qu'elle veut que je fasse quelque chose. Attends, t'as sauvegardé il y a 5 secondes, quoi. Calme-toi. Ouais, bah grimpe du coup. Non? Attends. Attends, attends. Qu'est-ce qu'elle veut que je... De descendre. Bien. Je vous rappelle que le but, c'est de monter. Hein. Mais bon, on va suivre la madame. Je redescends toute la montagne. Voilà. Il va falloir la remonter après. D'anciennes peintures rupestres d'un lama supérieur. Ah, mais c'est celui qui fait le rond avec ses doigts. Ouais, on t'a vu. Hop, 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 hop.
La madame est là. Mademoiselle, revenez. Allez, sauvegarde en cours. What, j'ai perdu l'énergie. Oh merde! Oh la pu... Oh la... Gourgandine. Ah ouais, c'est maintenant que tu me les montres. Oh, bravo. Bien. Bien, bien, bien. Oh là là, bienvenue dans le labyrinthe de Pic. Oh. Alors toi... Ah, quoi? Elle s'est téléportée. Fais gaffe, hein. Bon, ça suffit de faire ça. Eh, mais je suis bloqué. Attendez, je suis bloqué. Faut passer par ailleurs. Par là? Ok. Ah, mais. Ah, faut peut-être la suivre. Ah, bah non, bah non. Non, c'est pas ça du tout. Bon, alors à gauche ou à droite? Moi, je dirais à droite. Et c'était pas à droite. Ouais, j'aimerais bien aller voir le... Ouais, j'aimerais bien aller voir le corps là. Mais je peux pas passer par là. Quoique. Eh, mais il y a plusieurs chemins là. Tout doux. Tout doux. Ou alors passer à travers tout, me faire toucher et puis. C'est peut-être le seul moyen. Ah là 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 là, ah ah ah, par là. Ok, je crois qu'on est bon là. Oui. Oui, on est bon. On est très bon. L'amulette de Mingma. Une magnifique amulette destinée à éloigner le mal. Mais ça ne l'a pas empêché de se faire tuer. Mingma Yangzi. Des rituels avec Frank, des rituels sexuels. Donner l'amulette à son amant, pas Frank. Paul Ward. Bennett, il l'a tué. Pourquoi? Oula. Oh non, mais. Alors, et t'imagines le combat dans les pics en plus? Quand même pas. Non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On peut se... Bon, histoire de cul, hein, du coup. Voilà. Salut, Gadorf. Attention, hop. Allez, 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 on y va. Allez, on y va. Ah, sur le combat, bordel de merde, lâche-moi. Oh, ça vient de partout. Il y en a quatre. Il y en a quatre. Aïe, 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 aïe. Bon, allez, ça va aller, ça va aller. Toi, je te snipe. Headshot. Toi aussi, headshot. Attends, allez, toi premier. Pas logique. Je n'ai aucune logique. Oh merde. Bon, allez, toi.
passé là? Ouais, mais voilà. Pas possible ton truc. Tu pourrais dire merci. Apporter l'amulette de Mi'kmaq à Paul Ward. Il va falloir tout remonter. Bien, ouais. Ouais, on va claquer ça. J'ai rien oublié là. Mi'kmaq Yangzi, celle qui a exécuté les rituels avec Frank. Mais que s'est-il donc passé ? Vraiment? Bon. Eh ben, c'est reparti. Elle a été jetée de là-haut, c'est ça? Attention aux zones fragiles. Lors de votre ascension, appuyez sur espace pour arrêter de tomber. Pour arrêter de tomber. Ouais, donc du coup, bah, on avance. Et dès qu'il se passe un truc, espace. Les zones fragiles. Comment on repère les zones fragiles? Là. Là, c'est fragile. Une grosse tache noire. On va essayer. Non, c'est bon. Mais tout va bien. Vous imaginez s'il y a des espèces de petites plateformes? Oh là là. Bon, tant pis, on avance. De petites plateformes cachées. C'est possible. Aucun danger. Aucun danger. Bien. Ce vent va me faire chuter de la montagne. Waouh, 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 qu'est-ce que... Il s'est passé quoi? Ok, il y a du vent. Bon, par contre, c'est chiant parce que quand il y a du vent, il y a ma souris qui sort de la zone de jeu. Voilà, le même bug qu'hier. Voilà, et là je ne peux rien faire. Voilà. Allez, on avance. Vite, 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 faut trouver un abri. Attention au vent. Oui, Eric, attention au vent. Le vent est trop fort, il vous blessera si vous ne vous abritez pas. Ah ouais. Ah merde. Et tu t'abrites où? Derrière les rochers? Le sommet. Le sommet. C'est le sommet. J'y suis. Ah non, c'est un flashback. Continue. Allez, continue. On continue illimité. J'ai froid. Ah. Voilà. Je connais le scénario. Bon, attends. Il y a encore du vent ou pas? Eh mais j'ai claqué toutes mes encens et il y a plein de sauvegardes automatiques. Non, 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 je commence à comprendre là. Voilà, oui, mais... Psst.
Je vois pas arriver le vent aussi. Parce que c'est du vent quoi, tu vois pas. C'est invisible le vent. Vas-y, avance vers l'hôtel de prière, tu peux y arriver. Je vais crever. Bon, en haut ou... Mais je suis planqué là, je suis planqué, calme-toi. Non, faut continuer. Allez, go. Rafale de vent et température en dessous de zéro. Et salut à toi aussi, Jomo Lonzo. On comprend pas ce que tu dis. Il a dit salut à toi, Jomo Lonzo. Là-bas, là-bas, là-bas. Oh non! Oh, je perds de la vie dans la cinématique! C'est la merde. Parce que j'ai encore mes armes, oui. C'est quoi ça, Corlo? Ah oui, Corlo, c'est le dernier. On dirait qu'une horrible créature s'est nourrie ici. Ah ouais, c'est le piaf, là. Et donc quoi? Aucune réflexion? Il s'est rien passé. Non, je me relève et je continue, quoi. On dirait que non, oui. Bah on continue. Il ne s'est rien passé. Je fais une petite pause. Bon, le vent il est encore là. Des os rongés et des morceaux de corps. Mais c'est vraiment horrible. Horrible, oui. On fait la liaison. Bon, c'est pas le moment le plus palpitant du jeu. Moi, je préférais visiter les villages. Ah, on peut pas passer par là, il y a un mur invisible. Ah, c'est chiant. Faut faire le tour. Allez, go. C'est quoi cette fumée noire là-bas? C'est louche. Je laisse mais non, je laisse même pas de traces dans la neige. C'est nul ça. Alors que je laisse des traces dans les maisons. Alors attention, jumpscare. 3, 2, 1. Non. Elle est encore là, la madame? Le vent s'est calmé. Je peux peut-être monter là. Ah oui, je dois monter là. Bon, alors là, il s'est passé quelque chose de... C'est un meurtre. Il y a une bagarre. Un autre grimpeur mort, tué à coups de piolet. Mais qui ferait ça? Ah. On va appuyer sur espace. Attends. Hop, on va se mettre là. Pourquoi il s'arrête? D'accord. Une statue de Bouddha là-bas.
Ah. Oh Chang! Oh pauvre Chang! Hop! Oh. Qui c'est qui me réveille? Non, les gens, on peut pas dormir tranquille ici! Oh 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 oh! Un Z comme Zoro! Vite! Oh, j'ai touché l'autre! D'accord! Oh, oh, oh. Oh. Tiens! T'es pas assez rapide? Oh. Pas assez rapide! Ouh, il veut du poisson, lui. Oh merde! Désolé. Attends, 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 bouge pas, bouge pas, bouge pas. C'est bon là? Le fauve ici. Alors, que s'est-il passé? Deux grimpeurs quittent le refuge pour Lando. Nous devions faire quelque chose. Bennett a quitté le refuge il y a une semaine. Tout le monde a commencé à devenir fou et puis ça s'est empiré. Le temps s'est gâté, il était impossible de grimper. Simon et moi avons commencé à descendre, mais le blizzard nous a obligés à nous abriter. Nous avons monté des tentes, et puis ces fantômes sont apparus dans la neige. Simon les a pourchassés avec mon piolet. Il a disparu dans la tempête, j'aurais aimé qu'il revienne. J'aimerais avoir mon piolet. Ben c'est moi qui l'ai, et j'en ai deux. J'ai deux piolets. Des tentes de grimpeurs presque détruites par le vent. Presque détruite. Bonsoir, Harry Cover. Mon piolet marche bien. Allez, on va aller voir la statue de Bouddha. Ça va s'effondrer. Statue de DJ Aksobia, le Bouddha Abbé. Le Bouddha de la sagesse. Ça aussi j'en ai raté. Je suis sûr que j'ai pas fait ça sur toutes les statues. Quoique. Ah bah si, 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 c'est la sixième. La prophétie de Jomo Menmo, là. Je les ai toutes. 1, 2, 3, 4, oui. Réveillé dans l'obscurité, lisse, noir, froid, il est impossible de se lever. Au cœur de la glace, un homme mort parle avec la voix d'un autre. Un mort peut-il conduire un autre mort à la vie? Je ne sais pas. Ça, c'est la yogi, là. Yogiste. Yoginess. Qui écrit ça? Celle qui m'a mordu la main. Ah, salut Chouchou, merci pour le raid. Bienvenue tout le monde. On continue notre ascension de l'Himalaya. Bonjour. Ah non, je pensais que c'était. Non. Non, non. 1m50, on a dit. Thank you.
Putain, c'est Batman! Batman, Batman! Wow, wow, wow. Pas Batman. Bon, là, ce serait bien de prendre notre piolet plus puissant. Corlo. C'est Corlo où y aller. Ne touche pas. 1m50. Oh, mais. Eh, les boss sont extrêmement lents. Il arrive à me toucher. Oh, oh non, mais c'est nul. Non, mais prends le. What? Je me régène grâce au totem que tu dois détruire. Attends, bouge pas. Non, pas ça, c'est de la merde. Il me donne des petites coups de patte. Il est pas tout net. Tiens. Eh, mais il y a que le ki là qui fonctionne. Hein. Par contre, ouais, faut faire quelque chose avec ça. Bon, quand il se régène. Ouh. Les gars, on va voir tes fesses. Tiens. Tiens! Il merde. Tournicotis. Et allez, arrête de bouger. Les statues de vautours, mais sans déconner, merci. Alors là, merci. Vraiment? Nvidia. Et de 1. Plus que 42. Attends, je... J'ai déjà vu des statues comme celle-là, mais elles semblent avoir beaucoup plus de pouvoir. Attends, oh, on peut tous se les faire, mais vas-y. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Oh, trop tard. Ça va être un petit peu long ce combat. Me touche pas. Ah, mais t'es archi nul en fait. Tu donnes juste des coups de patte pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant. Après, il va s'énerver, vous allez voir. Oups, oups, raté. Vite, 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 on détruit les statues. Oui, go, vite, 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 deux d'un coup. Il est où? Il se recharge, mais oui, la boule, la bouboule. Et... Ah, je sais plus, c'est laquelle? Celle-là. C'est bon, là. Attends, quoi? Il y en a encore une. C'est là. Mais on la voit pas? On la voit plus? Il y a plus de boule autour. Ah, celle-là. Celle-là. Pas sûr. Pas sûr. Merde, je sais pas. Merde, c'est laquelle? Oh non! Ah, t'es trop lent pour moi. T'es trop lent. Je suis plus rapide que toi. Tiens. Tu crois quoi, que je suis avec une Wiimote? Non, non.
Merde, c'est là qui... Mais va te soigner, toi. Wow. Oh, l'enfoiré de... Espèce d'enfoiré. Oh, il s'approche, là. Oh oui! Donnez-moi un M! Encore un M! Par le pouvoir du Doritos! Ta-na-na-na. Combat terminé. Salut monsieur Guillaume Daniel, oui je suis en live. J'ai juste désactivé les alertes parce que voilà. Hein? Faut s'imprégner de l'ambiance tout ça. Et merci Mariole de Charleroi pour le follow. Bienvenue. Enchantement Kila de Panjaranata. Enchantement qui transforme le Kila. Le Kila. Ah c'est cool. J'ai un Kila plus puissant. Je suis encore là, coucou. Échec de la mission. Libération par le son. Où suis-je? À Euro Disney. Où suis-je? Oh, longue chute. J'ai mal partout. Oh, putain, c'est une crevasse. Sans déconner. Ça va être délicat. Ah, je peux laisser mes pas dans la glace. Bon, oui, ça va être délicat. Est-ce que ça glisse pas? Alors, voyons voir. Ah merde! Bon. Appuyez sur espace pour marcher. Ah oui. J'ai froid, mon petit bedon. Allez vite. Et hop, 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 hop. Et on continue. Quoi? Le petit Michel est appelé à la caisse. Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi ce bruit? Mais ça... What? Y'a quelqu'un là-dedans, vraiment? Y'a quelqu'un? Je suis dans le rayon des surgelés. Déplacez rapidement votre... Ouais. Non, mais je veux voir, moi. Voilà. Ah, oh, mon Dieu, j'ai pas couru assez vite. Ah oui, ouais. Il faut bien mourir. Il faut faire les morts. On veut voir les morts. Bon, attention. Allez, on agite la Wiimote. Gauche-droite, gauche-droite. Rapidement. Vas-y Eric! Mais c'était quoi le bruit là tout à l'heure? Aïe! Ah, j'ai tombé. Idiot! De tous les connards! Stupide! Demeuré! Ressaisis-toi Eric! Ça ne va pas t'aider. Calme-toi, Eric. Regarde, il y a un hôtel de prière là, mais perdu en plein dans une crevasse. On sait pas où on est là, dans une grotte. Mais j'ai pas envie. Fous-moi la paix avec ça. Non, j'ai pas envie. Pas question.
Il a une radio. Il a une radio. Est-ce qu'elle fonctionne ? Talkie-walkie. Il marche. Allô ? Qui ? Il y a quelqu'un ? Simmons. Franck ! Mon Dieu ! Eric, Simmons. Dieu du ciel. T'es perdu ? Je vais te guider. Tu vas me guider ? Le talkie-walkie d'un grimpeur mort. Eh, hey, t'as un shot talkie-walkie, toi. Vas-y, montre un coup. Oh là, ils sont trois. Ils veulent ma radio. Je veux pas donner. Oh. Attends, mais comment tu sais ça, toi? T'es qui, déjà? C'est Bennett? C'est mon frère? Oh merde! Oh, il m'attire! Lui aussi, il a un Ghostbusters flingue, là. Aïe, fous-moi la paix! Oh putain. Il va peut-être dû me soigner, là. Ouah, il fait des bisous! Oh, je suis coincé! Eh, il est rapide, lui. Par contre, je vois rien avec tous ces effets. Continue, Eric. Continue, ou tu vas mourir. Je suis à l'hôtel, Eric. Qu'est-ce que tu fous dans la montagne? Je suis à l'hôtel du petit nuage du matin. Ok, il y a des symboles à trouver. Elle était où, la... Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Je vais gerber. Non, ça va. Peut-être se soigner. Elle est où, la note? Bah oui, c'est moi, Eric. C'est Franck. Franck, il est à l'hôtel. Faut trouver les trucs avant de... Mais oui. Je perds de la vie. Faut faire quelque chose. Là-dedans. Vite. Fonce. Bouge. Vite. Bite. Par là. Ah, mais ça va, je regagne de la vie à chaque fois que je fais le signe. C'est bon, c'est pas difficile. C'est pas dur. Par contre, la note, elle est où? Elle est là-dedans? Oui. Pas le temps de lire ça. Et la dernière se trouve... Oula, la caméra qui fait n'importe quoi. Oh, merci. Merci pour le coup de main. C'est Catalyst qui tient la caméra. Nvidia. Hop. Super. Maintenant, écoute-moi, Eric. Ça va te paraître étrange, mais tu dois me faire confiance. Ce qui me paraît étrange, c'est que tu vois exactement ce que je suis en train de faire. Est-ce qu'il a... Sortir d'ici. Ouais. Écoute ma voix et tout se passera bien.
Non, mais t'as placé des caméras dans la caverne? Bon, attends 2 secondes parce qu'il y a de la lecture. Chronique de Lando. Comme Mila Repa, le grand yogi des grottes de glace. Le grand yogi des grottes de glace. Salut et Biwe. Et Biwe. J'ai trouvé refuge dans cette grotte de glace. Je me suis entraîné à l'art de la méditation, du feu intérieur, me permettant à la fois de survivre au froid et suivre le chemin du Dharma. Le vide immaculé des sommets couverts de neige est la parfaite visualisation du nirvana. C'est pourquoi la retraite de ces montagnes éternellement paisibles est des plus bénéfiques. Ouais, je sais même pas pourquoi je lis ça en fait. Suivez les instructions de Paul. Paul de... Mais voilà, c'est Bennett. C'est pas mon frère. Pour raconter n'importe quoi. Bennett, il est tranquillement dans son château là. Ouais, par là. Il ne passera pas. Ils ont attendu trop longtemps. Ils n'ont pas trouvé la sortie. Ils n'ont pas trouvé le Tokyo Hulky. Ben moi je l'ai trouvé. Tourne à droite. Si j'ai pas envie. Oh! Attends, toi tu veux me cacher des choses. Non? Bon. Ah mais j'aurais trouvé, hein, merci. Oui, mais je sais, j'ai compris. Mais attends, mais tu me tournes le dos? On me tourne pas. Mais... Fais demi-tour et retourne-y? Je comprends pas ce que tu dis. Oh, mais attends, attends, parce que voilà, la caméra là. Oui, voilà, merci. Oh merde, je voulais. Personne devrait être obligé de voir ça. Je l'ai désintégré. Vous imaginez s'il y a une mauvaise fin. Mais ferme ta. S'il y a une bonne et une mauvaise fin. Mais ferme-la. Tu fais chier. Peut-être qu'il fallait apaiser les morts et pas les tuer comme. Tourne à droite. Tu. À gauche. Ah ouais. Ah ouais. Ah oh putain, je me moque, mais en fait. Oh là. Non, 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 non. Merde. Attends, parce qu'il y a 3 grottes du coup. Ouais, mais non, 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 non. Prends-moi pour un con. Non! Je viens de là, on est d'accord. Il y avait une grotte ici. Là, il m'a dit à gauche. Ouais, parce qu'il y a une petite grotte aussi. Mais j'ai pas envie, je veux aller voir par là. Je m'en fous. Je veux voir ton trésor caché. On n'en avait pas par là. Oh, il va découvrir la vérité, merde. Et hop, fin du jeu. Retournez. Ok, bon bah. Retournez. Ben oui, mais ah, oui, bon, ça va, ça va. Allez, j'arrête de déconner. On va suivre la voie. Lao Tse a dit, il faut trouver la voie. Tourne à droite. Ouais. Va à droite. Comme ça. Oh, mais c'est un piège. Je vais me tuer, le mec. Il est où?
Mais si c'est un jeu... Si c'est un jeu d'horreur, bien sûr. Un survival. Ouais, ouais, on va... Allez, on va aller voir. Attends, t'es désolé. Qu'est-ce qui va se passer? Comment t'es au courant de tout ça déjà, Bennett? La septième prophétie. De la lumière dans l'obscurité, une ville de tissu, les mots mènent à la colère, trahison, avidité, viol, meurtre. L'amulette apporte la douleur, l'espoir aussi, l'amour appelle l'amour, il n'y a pas de réponse. C'est ça que tu voulais me montrer? Mais c'est pas horrible, c'est très bien. Vu que j'ai eu un carré de vie en plus. Ou alors c'est pas ça. Mais, attends. Qu'est-ce qu'il raconte, le mec? Ah, je peux pas aller plus loin, si. Vous êtes parti là? Tourne à gauche. Arthur. Tourne à gauche. Oui. Tu y es presque. Je peux plus bouger, je suis frigorifié. Oh non! Oh non, fais pas chier! Ah, c'est un bug ça encore. Ouh, t'es gros toi. Oh mon dieu, t'es gros. Oh la vache. Non! Bon, eh ben là, il y a une cinématique qu'on n'a pas vue à cause d'un... Quand tu vois un ennemi, tu fuis pas, tu le tues. Oh, t'aurais pu sauter là. Pas de casser une jambe. Attention. Un autre. Fais attention. T'inquiète, je gère. Un petit nez papillon. On va arriver à la fin. À la fin du chapitre. Attention, attention. Danger droit devant. Danger droit devant. Oh putain. Stop, arrête de chuter. Réveille-toi. Dors-toi et t'es mort. Mais je suis mort. Je suis mort 10 fois au moins. Mais oui! Je dois être fou. Mais non! Je dois sortir d'ici. Comment peut-il savoir depuis le début? Si tu commences à sentir de la chaleur, c'est mauvais signe. Très mauvais signe. Ah, tu te fous de ma gueule là. Salut Cyl, que salut le Benoît. Je m'éteins. Je m'éteins. Ne t'assois pas quand t'as froid. Continue de bouger, même si c'est douloureux. Oui. Allez, j'ai compris, j'ai compris. Je veux péter ça. Attends, attends.
Mmh. Oh! Bonjour, monsieur. T'as rien d'intéressant à dire? Ramper dans la crevasse. Un grimpeur se casse les jambes, mais n'abandonne pas. Il a même le temps d'écrire un bouquin. Je suis tombé. Une longue, longue chute dans le noir. J'étais surpris de me réveiller, surpris d'être en vie. Mes jambes étaient cassées, j'ai donc commencé à ramper. Je savais qu'il n'y avait pas d'espoir, mais je n'allais pas rester là et mourir. Alors j'ai bougé, doucement, avec douleur, en sortant de l'obscurité, dans la glace, de la crevasse sans fond. Je n'ai plus d'eau à présent, ni de nourriture. Je vais me reposer ici une minute pour reprendre des forces. D'étranges voix m'appellent dans l'obscurité. Je veux dormir. J'ai eu le temps d'écrire tout ça avant de mourir bêtement par un éboulement. Dans un éboulement. Bon. Hé mec, à la radio ? Encore des glaçons ? Mon dieu, ils sont partout. Ouais, ouais, tu te fous de ma gueule, toi, Bennett. Hein ? On le sait, hein ? On le sent. Il se sert de moi pour nettoyer sa caverne de merde, là, et trouver son artefact. Waouh ! Il a failli m'avoir. Merde, je l'ai désintégré. Merde, lui aussi ! Mais arrête de faire le con ! Jusqu'à toi. Ah ! Ça, c'est nouveau ! On l'a jamais eu, ça. Il me répond en plus. Il me répond. Oula, ça me fait peur là. Un ciel bleu et un soleil qui brille, Eric. C'est ce qui t'attend là-haut. Vraiment. C'est quand même bizarre, hein. Mais t'approches pas des sources de chaleur, je sais pas quoi. Bon allez, on monte. Y'a que ça à faire de toute façon. Je peux aller sur le côté là? Non. Je suis au refuge. J'attends Bennett. Je sais qui va venir. Ah bah non, c'est pas Bennett. Putain, je comprends rien là. Je pige rien, je pige jamais rien. Bah oui, c'est qui alors du coup? C'est pas son frère? C'est pas le moine? C'est pas Père Fouras? C'est Brandon, c'est Paul. C'est qui Paul? Il abandonnera jamais. Allez Bennett, qu'est-ce qui te retient? J'en ai marre de t'attendre. Il me parle même. Il me parle pas à moi le mec! Je suis pas Bennett, moi. Ils sont tous défoncés dans ce jeu. Et là, y'a quoi? Y'a rien. Avance. Avance. Ou alors, je suis sur une autre ligne. Les glaçons qui reviennent. Les glaçons. Bon, j'espère qu'il va pas me saouler ce Tokiwoki jusqu'à la fin du jeu, quoi. Vas-y, mais fais-le! Oh, mais non, mais ils sont trop dans un couloir. Duh.
Je vais défoncer mon clavier, moi. Ok, attention, on a un autre, là. Regardez ça, il va me foutre une claque au ralenti. Il m'a eu. D'accord, il m'a eu, mais ça n'a pas compté. Bien. C'est une bonne nouvelle. Capiche. Capiche. Amigo. Oh, j'ai pas envie de visiter cette crevasse. On sort d'ici le plus vite possible. Ah. Petite clochette. On est bientôt sorti là. Oula. Il faut la redescendre encore. Oh non! Oh non, il faut redescendre. Oh mon dieu. Tu t'es planté de sens, tu reviens en arrière. Sérieux? Ah merde! Comment ça, j'en reviens en arrière? Enfin. Mais oui, mais oui. Bon, par contre, et regardez. Je peux pas tourner. Maintenant, je peux. Je pouvais pas tourner, là. Bah oui, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est là qu'il y avait les fantômes. Bah oui, voilà, merci. Merci, le bonhomme. Oh là 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 là. Point sombre dans la lumière. Carnet de route. 6200 mètres d'altitude. En dehors de la crevasse. Le temps se gâte. Je ne vois plus grand chose. Presque au refuge. J'espère que Paul a quelques réponses. C'est qui ? Paul ?